bonjour à tous. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure du Cloud Compte virtuel avec moi, Madame Kayla. Je suis tellement désolée d'avoir annulé la semaine passée, mais je suis de retour cette semaine. Et cette semaine, le thème, c'est celui des desserts. Donc, tout par rapport aux biscuits, gâteaux, petits gâteaux, toutes mes choses préférées, j'ai décidé de faire un heure du compte juste pour ça. Donc, j'ai pas d'annonce. Donc, je vais juste commencer avec mon tableau de feutre. Donc, ça va. Au coin de la rue, à la boulangerie, il y avait 5 petits biscuits très bien décorés. Voilà Madame Kayla qui est arrivée toute seule. Elle a ramassé le bleu et a couru chez elle. Au coin de la rue, à la boulangerie, il y avait 4 petits biscuits très bien décorés. Voilà Madame Kayla qui est arrivée toute seule. Elle a ramassé le rose et a couru chez elle. Au coin de la rue, à la boulangerie, il y avait 3 petits biscuits très bien décorés. Voilà Madame Kayla qui est arrivée toute seule. Elle a ramassé le vert et a couru chez elle. Au coin de la rue, à la boulangerie, il y avait 2 petits biscuits très bien décorés. Voilà Madame Kayla qui est arrivée toute seule. Elle a ramassé le jaune et a couru chez elle. Au coin de la rue, à la boulangerie, il y avait 1 petit biscuit très bien décoré. Voilà Madame Kayla qui est arrivée toute seule. Elle a ramassé le mauve et a couru chez elle. Et c'est tout pour mon tableau de feuilles de biscuits. Plein, plein, plein de brillants. Donc, pour mon premier livre, c'est aussi par rapport aux biscuits. Des biscuits. Par Robert Munch et publié par les éditions scolastiques. Donc. Un matin, Christophe découvre un gros tas de pâtes à modeler dans un coin du sous-sol. « Oh! » s'écrie-t-il. « J'adore la pâte à modeler! » Alors, il prend un morceau de pâte à modeler rouge et l'aplatit entre ses mains. Pap, 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 pap! Il a fait un beau biscuit bien rond. Wish, 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 wish! Il le saupoudre de sucre. Chic, 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 chic! Et le recouvre de glaçage jaune. Glip, 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 glip. Il le décore de raisin. Plink, 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 plink. Christophe monte alors à l'étage et dit « Maman, regarde! Papa te fait un biscuit! » « Oh! Comme c'est gentil! » dit sa maman. Je ne savais même pas qu'il pouvait cuisiner. Puis, elle prend le biscuit et mord bien fort dedans. Crunch! Elle se met à crier. Wash! Pouah! Pouah! De la pâte à modeler! Gla 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 gla! Ce biscuit est si affreux qu'elle court à la salle de bain et se brosse les dents pendant un long moment. Screech, 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 screech. Pendant que sa maman se brosse les dents, Christophe va chercher un autre morceau de pâte à modeler rouge. Il l'aplatit entre ses mains. Pat, 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 pat. Il en fait un beau biscuit bien rond. Rond, wish, 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 wish. Il le saupoudre de sucre.
Il le recouvre de glaçage jaune. Glip, 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 glip. Il le décore de raisins. Plink, 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 plink. Puis, il monte à l'étage voir son papa. Papa, regarde! Maman t'a fait un biscuit, dit Christophe. Comme c'est gentil, répond le papa de Christophe. Il y a si longtemps que ta maman me préparait des biscuits. Puis il prend le biscuit et mord bien fort dedans. Crunch! Il se met à crier. Ouach! Pouah! Pouah! De la pâte à modeler! Gla 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 gla! Ce biscuit a un goût si affreux que le papa de Christophe court à la salle de bain pour se brosser les dents. Screech, 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 screech. Lorsque ses parents sortent de la salle de bain, Christophe est en retard pour l'école. Alors, il appelle la maîtresse. Christophe offre des biscuits en pâte à modeler à tout le monde. Ne vous en faites pas, répond la maîtresse. Je sais ce qu'il faut faire. Elle prend un morceau de pâte à modeler rouge. Elle l'aplatit entre ses mains. Pat, 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 pat. Elle en fait un beau biscuit bien rond. Wish, 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 wish. Elle le saupoudre de sucre. Chic, 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 chic. Elle le recouvre de glaçage jaune. Glip, 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 glip. Elle le décore de raisin. Plink, clink, plink, clink, clink. Puis, elle le dépose sur la chaise de Christophe. Lorsque Christophe entre dans la classe, il s'écrie oh, « Quel beau biscuit! » Il prend le biscuit et mord bien fort dedans. Crunch! Il se met à crier « Wesh! Pouah! Pouah! De la pâte à modeler! » Gla, 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 gla! Ce biscuit a un goût si affreux que Christophe court à la salle de bain pour se brosser les dents. Quand Christophe revient de la salle de bain, la maîtresse demande « Maintenant, voulez-vous faire de vrais biscuits? » Et toute la classe lance un grand « Oui! » Quand Christophe a fini son biscuit, il l'amène à la maison pour l'offrir à sa maman et à son papa. La fin. Donc, prochain, j'ai une petite chanson, pas très longue, pour faire un bon gâteau. Donc, si jamais vous oubliez comment faire un bon gâteau, il y a une petite chanson pour vous aider. Donc, pour faire un beau bon gâteau, garde bien le tempo. On met les ingrédients et on remue en chantant. Œuf et levure, beurre et farine, un peu de sucre. Pour les gourmands, du chocolat. Et on met au four. Et c'est comme ça qu'on fait un bon gâteau. Avant, j'oublie, pour notre bricolage cette semaine, nous avons utilisé de la peinture. Je me sentais comme si ça faisait longtemps qu'on n'avait pas peinturé, donc j'ai sorti la peinture. On a fait des petits gâteaux avec du papier d'aluminium. Donc, on a pris un petit morceau, on l'a écrasé, on l'a mis dans différentes couleurs. Ça, c'est les miens. Ça, c'est celui à mes garçons. Donc, ça a fonctionné, mais c'était pas très long comme bricolage. Je pense que ça a pris comme 2 minutes. Puis il avait fini, puis là, on a mis des brillants. Puis c'est ça. Donc, pour cette semaine. Donc, pour aller avec les petits gâteaux, j'ai Pat le chat.
et le mystère des petits gâteaux. Et c'est publié par les éditions Scholastique et écrit par Kimberly et James Dean. Mystère des petits gâteaux. On va voir qu'est-ce qui se passe. Pat et Otto sont très occupés. Ils préparent un grand goûter. Ils font des petits gâteaux pour leurs amis. Pat et Otto les comptent quand ils ont fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 gâteaux avant. Pat et Otto sont sûrs d'avoir bien compté. Pat dit, on devrait peut-être recommencer. Il recompte les petits gâteaux très vite. Maintenant, il n'y en a que 8. Il semble que 2 gâteaux aient été pris. Mais par qui? Pat et Otto sont tristes. Mais, il trouve une piste. Otto dit, « Regarde ce que j'ai trouvé! » Des pelles sucrées à nos pieds. Le coupable est sûrement Henri. Il adore toutes les sucreries. Henri proteste, « Ce n'est pas moi! Je suis innocent! Je participais à un concours de chant! » Oh non! Venez voir! Cette affaire est farfelue! Il manque 2 gâteaux de plus. Au début, il y en avait 10. Il n'en reste plus que 6. Mais qui donc les a pris? Pat et Otto sont si tristes. Mais ils trouvent une nouvelle piste. Pat dit, je parie que c'est Victor qui les a volés. Cet alligator adore manger. Victor proteste, ce n'est pas moi, je le promets. J'étais en train d'apprendre l'alphabet. Oh non! Venez voir! D'autres gâteaux ont disparu. Quelqu'un en a pris 2 de plus. Mais qui? Pat et Otto sont tristes, mais ils trouvent une autre piste. Je parie que c'est Lulu, dit Pat agacé. Cette petite gourmande adore le sucré. Lulu proteste. Ce n'est pas moi, je suis innocente. De plus, vous savez que je suis trop lente. Oh non! Venez voir! Que se passe-t-il donc ici? Tous les gâteaux sont partis. Pat et Otto sont tristes. Ils cherchent une autre piste. Ils trouvent Gaston le bougon. Il y a du glaçage sur le museau. Pat et Otto ont résolu le mystère des petits gâteaux. Je suis tellement désolée. C'est moi qui les ai mangés. Après avoir goûté le premier, je n'ai pas pu m'arrêter. Tout le monde pense que Gaston mérite d'être puni. Pas question qu'il vienne au goûter aujourd'hui. Pat n'est pas d'accord. Il dit, Gaston a fait une erreur. Il a avoué, donnant-lui l'occasion de se racheter.
Père dit à Gaston, nous t'accordons une deuxième chance. Gaston, tout joyeux, fait des bons immenses. Le goûter est un succès. Il y a beaucoup de gâteaux. Cette fois, Gaston en a apporté beaucoup plus qu'il n'en faut. La fin. Donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de m'avoir vous aimé encore une fois. Je serai de retour la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde!